Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne. Ça doit faire environ un mois et demi, deux mois, je sais même plus. Donc on se retrouve pour une pêche à la carpe en canal. Donc on est là pour un petit 48 heures. J'ai déjà fait une nuit, j'ai déjà fait plusieurs poissons. Donc vous allez voir ça juste après. Donc ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne parce que j'avais pas à faire de grosses sessions en général. J'avais dans beaucoup de petits plans d'eau, il y avait beaucoup de petits poissons. Du coup, bah voilà, je faisais pas de vidéo. Mais voilà, là on se retrouve pour une nouvelle pêche et puis ça commence plutôt bien. Donc je vous laisse suivre les images et puis on se retrouve à tout à l'heure. Bon les gars, poisson. Yes. Yes les gars, yes. Beau poisson en plus, putain, il me fait courir et tout. Oh, j'ai eu que le combat à la fin. Ouais, là, il y a un beau petit poisson, c'est sympa ça. Impeccable. Bon, allez, les gars, on met ça dans le tapis. On met ça en sling et je vous montre ça demain matin. Bon, du coup, les gars, on vient de reposer la canne, donc qui est juste là. On essaie de reposer ça à peu près comme c'était posé tout à l'heure. Et puis là, on va remettre un petit peu de bouillettes. Donc, c'est les bouillettes de chez David Guénard. Donc celle-ci, c'est les Spicy Krill en 15 mm. Des valeurs sûres en canal. Allez, on va remettre une cinquantaine de billes. Histoire de faire un peu chercher le poisson. De le faire revenir sur zone aussi. En fait, j'ai eu énormément de bips tout à l'heure. Avant le départ. Ça fait à peu près 2-3 heures que je l'ai dit et je sais pas, ça démarrait pas, c'était bizarre. Du coup, je vais pas mettre trop de billes parce que de toute façon, en fait, c'est que le poisson il cherchait dessus et malheureusement, avec la vase, il a peut-être du mal à trouver l'èche. Je sais pas, c'est bizarre parce que pourtant, ici, j'ai jamais fait de brème. Mais bon, voilà. Bon, allez, on a réamorcé. On va aller voir, on va peut-être remettre une deuxième canne tout à l'heure parce que j'ai pas eu de touche sur les autres cannes, quoi. Je vais peut-être aller les remettre dans la nuit. Allez, on se retrouve si on fait un autre fiche. Let's go. Bon bah finalement les gars, on a remis cette canne là, donc ça c'est la troisième canne, c'est la canne la plus loin de ma tente. C'est une canne qui est posée sur un plateau de gravier en fait, donc qui a 1m50 du bord, un gros plateau de gravier. Je l'ai remise parce que normalement cette canne là, je suis déjà venu sur ce canal là 2-3 fois cette année et l'année dernière, fin de saison, au mois de novembre, cette période là. Et elle avait déroulé à chaque fois plusieurs départs dans la nuit, et puis là je me suis dit c'est bizarre, j'ai que des bips sur la même canne. Du coup on l'a remise. Bon, ça avait l'air de pêcher, on l'a remise quand même. Du coup, on va réamorcer un petit peu de billes pour faire un peu d'attente frais sur le coup. Et puis, on verra bien si ça déroule. Puis voilà. Allez, on se retrouve si on fait du tout. Soit demain matin. Ciao. Bon, il doit être 8h30. Donc, la nuit est terminée. Donc, cette nuit, on enregistrera du coup 3 départs. Donc deux sur cette canne là qui est posée à 1 mètre du bord à bas des roseaux, dans 1 mètre 10 d'eau à peu près. Et malheureusement cette nuit je fais un troisième départ sur la canne la plus loin, soit en chaîne, sur un plateau de gravier. Malheureusement la centrale elle a dû bugger, j'ai pas entendu le départ. Et du coup ce matin en allant vérifier la canne si ça pêchait encore, et ben en fait je retrouve carrément le moulinet posé sur le piquet, la canne centrée. Et je retrouve le poisson 200 mètres plus haut. Malheureusement, elle était au bout, mais je finis par une casse. Donc on a reposé tout ça propre. Et j'avais posé cette nuit en canne bonus, une canne en plein eau. Je me suis dit en plein milieu du chenal, on ne sait jamais. Mais le problème, c'est vu que j'ai pas de backlead, avec les feuilles, les branches et les souches qui sont passées cette nuit, bah ce matin, ça pêchait plus. Du coup, vu que j'ai vu que les poissons se nourrissaient beaucoup le long des roseaux, j'ai déplacé cette troisième canne à ras des roseaux. Pareil, à peu près 1m20 du bord. Donc on verra si cette nuit sera plus prometteur. On a déjà passé une nuit plutôt bonne. Deux beaux poissons à vous présenter. Je vous présente ça tout de suite. C'est parti. Bon bah c'est parti, on se retrouve du coup pour la présentation des deux poissons que j'ai fait cette nuit. Donc là on commence par le premier poisson. Qui a été fait vers 22h30 à peu près. Donc c'est un poisson qui a été touché avec une bouillette Spicy Krill en 15 mm,
avec une pop-up rose. Donc je vais vous montrer ça, de très jolies couleurs. Elle a une petite déformation au niveau de la nageoire. Voilà, poisson je pense 8-10 kilos à peu près, je l'ai pas pesé. Magnifique fiche, ça fait super plaisir, des beaux poissons bien combatifs en plus. Regardez ça, des couleurs. On voit qu'elles prennent les réserves pour l'hiver parce qu'elles ont des bidons, c'est un truc de dingue. Elles ont des bites de ouf. Et des couleurs juste incroyables. Et elle est toute dorée, des belles nageoires, des poissons qui sont jamais été piqués ou pratiquement pas. J'ai pas vu de piqûre à part la mienne. Magnifique fiche. La nuit, on a été récompensé par ces trois départs à deux poissons de sortie. J'en demandais pas plus. Waouh! Allez, on remet ça à l'eau, je prends une petite photo avant. Et puis je vous montre le deuxième poisson juste après. C'est parti! Allez les gars, on relâche ce beau petit poisson. Poisson de plus de 11 kilos. Magnifique couleur. Ça repart en pleine forme. Impeccable. Ah vache. Voilà, déroule les gars. Ça c'est de la déroule. Incroyable. Wow. Je sais pas si c'est une carte. Bon, je pense pas que c'est un silure quand même. Oh non, ça va être une carpe. Wow. Oh la vache, j'ai essayé de vous filmer un peu le départ. Je sais pas si on voit bien. Putain, elle est partie ultra loin. Ah, c'est bon ça, dès le réveil comme ça. Bon, ça doit pas être... ça doit pas être tout petit quand même. Ouais, ça sonne pas mal. Oh, putain, elle est complètement à l'opposé, les gars. Ah, je vous jure. Oh, merde. Elle va sur la berge. Faut faire gaffe, il y a pas mal de roseaux devant nous. Faut pas qu'elle se mette dessous. En tout cas, elle est en pleine eau et elle combat super bien. Je pense pas que c'est pire. Ça c'est bon ça pour réveiller dès le matin. Oula oula oula. J'ai senti comme si c'était décroché. Du coup en fait cette canne là les gars c'est la même qui a démarré cette nuit. C'est la même canne. Ouais c'est sympa quand même. Oh, c'est un beau poisson quand même. Il est correct, il est correct. Les gars, il y avait un monsieur devant moi, il devait pas comprendre pourquoi je parle tout seul. Parce que quoi que je parlais, il me regardait. Ah non, pas dans les roses, mes mères. C'est pas aussi gros que celle d'hier soir, je pense pas. Pourtant cette canne elle bipait pas depuis hier ça, les deux autres cannes elles arrêtaient pas de biper et au final tu vois c'est celle-là qui déroule. Putain vache elle a la patate celle-là. Oh il y a un poisson quand même. Oh oui, c'est quand même pas trop mal. C'est quand même pas trop mal. Et ça y est, elle est plus très loin. Allez madame.
Allez, à gauche. Bon, t'entoure pas autour du fil, mes mères. Ah, sur les petites 9 pieds, franchement, ça fait super plaisir. Là, on est sur des cannes extrême 9, slime, en, bah, du coup, en 9 pieds. Donc, c'est 2,70 m de chez Caperlan. Des cannes qui font franchement super le taf en rivière, même en étang. Elles sont super souples, elles travaillent super bien le poisson. Et elles amortissent énormément les chocs. Franchement, elles sont pas mal. Allez dedans les gars, yes. Ah, un poisson correct. Ça fait le taf, c'est cool, c'est un poisson. Impeccable ça les gars. Bah oui, un beau poisson. Ouais, beau poisson. Yes. Nickel les gars. Et voilà, je vais vous présenter le deuxième poisson de la nuit. À peu près du même calibre. Je sais pas, peut-être un peu plus grosse. Je la peserai juste après. Hop. Voilà, magnifique poisson, je pense encore dans les 10. L'autre faisait à peu près, elle était à 12 avec le filet. Je pense que c'était un poisson dans les 11 kilos. Et voilà, magnifique coco, la deuxième, sur la même canne. Pris ce matin aux alentours de 7h30, sur la même mèche, avec en gros une spicy krill en 15 mm. Avec une pop-up rose en 15 mm aussi, un hameçon en taille 4, les Kurchang de chez Corda. Impeccable, deux piqûres parfaites. Magnifique, magnifique poisson. Je pense qu'elle est un peu plus grosse que l'autre, celle-ci. Elle n'a pas les mêmes couleurs, celle-ci elle est plus claire. Mais c'est un beau poisson, magnifique. Amorcé pareil, hein. Calabi, hein. Spicy Krill. Une soixantaine de billes sur le coup. Et ça fait le taf, les gars. Magnifique poisson. Ouais, pas mal lourde celle-là. Bon allez, je prends une petite photo, je la pèse et puis on la remet à l'eau. Allez, on va lâcher cette belle coco. Très joli poisson. Pas du tout les mêmes couleurs que l'autre, celle-ci. Yes, impeccable. Yes. J'ai vu hein, celle-là y aller. Oh là là, un bidon. Oh la vache. Mmh. Ah, c'est nourri ça. Ah, je pensais pas que j'allais les faire à vue comme ça. C'est magnifique ça à vue. Et y a tes bois. C'est grave. Là, je vais l'emmener là-bas pour qu'il y ait défrayé le banc. Ah ouais, la vache. Si j'effraie pas le banc, il y a moyen que j'en fasse plusieurs. J'aimerais bien faire une gosse. Putain, elle a un bidon. Oh la vache. Elle a mangé des trucs. Bon bah les gars. Petite pêche rapide là, avant de partir. J'ai repéré une dizaine de poissons. Une petite boulette spacée krill. Et une pop-up rose. Et elle prenait pas les bouillettes à côté. Elle a vu du rose, elle a foncé dessus. C'est dommage, j'ai pas la touche en direct, j'aurais dû allumer le téléphone. Oh là là, oui, il y a un bidon. Il lui manque quelques écailles, par contre. Elle a dû être pêchée ou... Ah, c'est parce que c'est difficile d'accès. Ah, tant mieux, moi ça m'arrange. C'est cool ça. C'est pas la plus grosse du banc, pas du tout. Putain, dans l'eau on a dit qu'elle faisait 3 kilos, mais en fait pas du tout. Elle en fait plus 7 ou 8 que. Voilà. Ben voilà, impeccable ça. Bon, je vais voir pas avec l'épuisette. Oh, putain,
Oh oui, en fait, elle est grosse. Ah, c'est un beau poisson. On a, en fait, je pense qu'elle a des 20 kilos dans le banc. On dit que celle-là, pour moi, elle faisait 5 alors qu'elle en fait plus de 10. Ouais, en fait, je pense que c'est des 20 kilos les grosses qu'on a vues là. Ouais. Je t'avoue que c'est pas le poisson que je pêche donc. Bah voilà les gars, je viens de remballer de ma pêche de nuit. J'étais remonté sur le canal. J'ai aperçu une quinzaine de poissons dans le courant. J'ai mis une petite canne comme ça en stalking avec quelques bouillettes. Et voilà. J'ai chopé une des plus petites du banc qui fait entre 8 et 10 kilos, je pense. Une morphologie de dingue. Un bidon, mais de ouf. Magnifique gueule aussi. Magnifique poisson. Pour moi, dans l'eau, elle faisait 5 kilos. En final, elle en fait pratiquement 10. Donc, je pense que les ceux qui disaient qu'elle faisait 10, ça fait plus 20. Voilà. Magnifique coco. Pris avec une boulette spicy creed avec une peu prose. Franchement, elles fonçaient même pas sur l'amorçage. Elles voyaient une peu prose, ça les attirait direct. Elles ont même pas mangé l'amorce. Direction les filles. Après 4 ou 5 refus. Voilà. Magnifique coco, ça fait plaisir. Pêche de journée pour essayer de rattraper malheureusement le capot de cette nuit. Merci ma belle, ça fait super plaisir. Voilà, un bon petit combat, regardez-moi ce bidon de ouf, ces couleurs de ouf. Je sais pas ce qu'elle mange, mais en tout cas, elles se sont bien nourries. Hein. Yes, allez les gars, prends une petite photo, remets ça à l'eau, c'est parti. Impeccable, ça repart nickel les gars. Oh putain, ça c'est gros. Y'a ça lié les gars. Putain, j'ai pris du temps à la faire. Non, c'est pas si énorme que ça. Ah, j'ai cru que c'était plus gros la vache. Super ça, super. Putain, elle a des couleurs. Yes les gars, impeccable. Oh, elle est belle quand même, hein. C'est un beau poisson ça. Il y aura un plus impeccable pour terminer. Depuis tout à l'heure, elle prend mon neige et elle recrache là. Elle n'arrivait pas à se piquer et là. Elle a des couleurs de ouf. Elle est pas très grosse, mais elle a des couleurs de malade. Yes! Ah! Impeccable. Ah, il y a un beau poisson. Oh oui, il y a un beau poisson là. Ouais. Bah voilà les gars, après la commune de tout à l'heure, ça fait au moins 2 heures que j'ai pas fait de poisson, donc j'ai pris des refus de malade. Les poissons ils prenaient juste ma pop-up et ils se piquaient pas. Puis j'avais repéré une belle miroir qui naviguait autour de mon neige et qui se piquait pas. Sauf que là, j'ai réussi à la faire. Regardez-moi ça, regardez-moi cette petite couleur magnifique. Elle est bien nerveuse. Magnifique poisson, je dirais, dans les
pareil, 8-10 kilos, je pense. Par là. Je vous la représente. Et je vais vous montrer l'autre côté après. Yes. Magnifique. Ouais, je pense qu'elle fait bien 8-10 kilos. Ouais, 10 kilos, je pense. Poisson, regardez-moi ça, c'est son pied. Elle a des couleurs tout orange, des couleurs d'automne. Ah, yes. Bon bah, c'est cool de clôturer avec ça, les gars. Allez, je vous montre l'autre côté un petit coup avant de prendre une photo et de la relâcher. Hop là. Yes. Impeccable. Allez, on prend une petite photo. On la relâche. Yes. Magnifique. Bon bah les gars, je clôture avec ce poisson. Bon bah on a passé un bon petit 48 heures. Hein. Tu as une belle pêche du jour. C'est sympa. Des bons poissons bien corrects. Encore celle-là qui va faire dans les vis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et à partager. Et puis nous vous dis à une prochaine vidéo. Salut.